pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film. Ce que je suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour moi? Bah, est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Et voilà. Waouh! Comment tu vas? Super. Tu vas bien? Ouais. Cédric, ça va? Complètement omnibulé par son voyage. Je t'ai manqué à mort. À mort. Et toi, je t'ai manqué? Mais Cédric, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux pas dire bonjour? En gros, le film, il est né... Il y avait une expression juridique que j'aimais, qui m'avait un peu stitché, comme ça que j'avais entendu, qui s'appelait un préjudice grave, difficilement réparable. Et... voilà, outre derrière l'expression un peu pompeuse, moi je m'étais dit qu'est-ce que c'est dans la vie, un préjudice grave, difficilement réparable dans la vie de tous les jours, à quoi ça pourrait correspondre? Et puis il y a eu tout cet enchaînement de faits divers, de trucs qu'on a entendus, etc. Et le scénario au départ se construisait vraiment comme un procès familial, plus inspiré d'ailleurs de 12 hommes en colère que de Festen. Après on a adouci les angles et on a complexifié, nuancé les personnages, etc. Mais un préjudice grave, difficilement réparable, préjudice est resté de cette expression, de version en version, avec titre provisoire en dessous. Et puis finalement, on l'a gardé parce qu'on a tout simplement, en partie, jamais réussi à le remplacer, qu'on n'a jamais trouvé quelque chose de mieux, donc qui nous correspondait mieux. Mais aussi parce que je crois qu'il traite de cette ambiguïté-là. C'est-à-dire que si on regarde le film et qu'on se dit qui subit le préjudice, ben alors on se retrouve juge alors, dans ce cas-là. Et c'est un peu la situation dans laquelle le film pousse le spectateur, c'est d'être... De peut-être devoir se positionner par rapport à ce qu'il vient de voir, quoi. Et donc de déterminer à qui a subi un préjudice. Bon, ben moi j'en peux plus, hein. Tiens, maman. Oh, ma chérie. Oh, je suis tellement contente. Félicitations. Merci, Alain. Il est déboussolé par la nouvelle, tu peux comprendre quand même. Je comprends pas comment vous faites. On fait avec, Caro. Voilà comment on fait. Tu veux encore faire le voyage? Faut y croire. À partir du moment où on a découvert, enfin, on a acté l'idée d'un voyage en Autriche, on a exploré toutes les possibilités. Et l'apparition de cette chanteuse était intéressante parce que ça me rappelait l'apparition des marraines dans les dessins animés pour enfants qui apparaissent toujours en un coup de baguette magique et qui viennent réconforter le personnage au moment où il est au plus bas. Et puis aussi parce que ça me permettait d'aller au bout d'une certaine de ce qu'on pressent chez le personnage, c'est-à-dire cette volonté d'évasion qui peut se traduire directement finalement par un décrochage de la réalité. Je voulais pas le filmer comme quelque chose de surréaliste ou surnaturel, je voulais le filmer de façon assez frontale, mais j'ai le sentiment que cette petite scène, bien qu'un peu étrange, etc., nous permettait d'être plongé dans sa solitude, dans sa détresse, et de créer aussi cette une dernière forme d'empathie avec lui, quoi. Après, dans un second temps, je pense que c'est la trajectoire que moi j'ai un peu connue à vouloir faire ce film. C'était la même chose que lui, c'était le désir obsessionnel de réaliser quelque chose. Et en écrivant ce scénario, je pense que le personnage a été imprégné de ça. Mais il a cette obsession-là que je partageais. Et donc, une fois que l'idée de l'Autriche est arrivée, ça a permis de complètement recadrer le scénario et d'aller dans quelque chose qui était concret, qui était palpable et qui permettait au personnage aussi d'exprimer ses désirs simples, de s'identifier plus facilement à lui. Une maman a 3 enfants et 2 pommes. Cédric, je t'interdis. Comment fait-elle pour donner la même chose à chaque enfant sans en punir un? Putain, c'est parti. Lâche-le! Cédric, tu arrêtes! T'es complètement con, hein! Sois terrain, je t'ai vu lui parler. Tu lui mets quoi dans la tête au juste? Que tout va bien? Il peut tout se permettre? C'est pas de notre faute si t'es comme ça. T'es pas normal. Que t'es différent. T'es chiant. Stop maintenant! Je suis ma fou! La vérité n'est pas toujours comme tu l'imagines, tu le sais bien. On verra. Quelqu'un m'a parlé d'une phrase de Balzac que j'ai trouvée assez intéressante et qui disait dans beaucoup de familles se trouve un être fatal qui pour cette famille est une forme de maladie. Et Balzac répond: je suis cet être-là pour vous. Et c'était l'idée de Cédric correspond à ça. C'est-à-dire qu'il est la maladie de la famille, mais en même temps, il n'est jamais que le produit d'un dérèglement en réalité. Le secret, c'est comment cette famille fonctionne, comment sont établis ces rapports de force. Et j'espère que le film est suffisamment généreux dans ce sens-là pour donner envie aux spectateurs de se questionner là-dessus. C'est-à-dire généreux d'un point de vue narratif, mais aussi formel. Je n'ai pas voulu faire un film âpre ou
J'avais envie que visuellement ce soit accrocheur aussi pour ça. C'était important pour nous qu'on ne soit pas dans un schéma de victime et de bourreau, parce que ce qui était important, c'était de dévoiler plus la complexité des rapports entre les gens et plus spécialement dans une famille où les liens sont évidemment plus riches, plus denses et plus complexes qu'ailleurs encore, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que dans le film, plusieurs fois, même constamment, c'était une inquiétude, voire une priorité qu'on avait, c'était de pouvoir donner la liberté, en tout cas la possibilité au spectateur de comprendre un personnage pour avoir accès ensuite à un autre et d'avoir une espèce de vue d'ensemble comme ça de cette situation pour ensuite, s'il le désire, poser un regard, un jugement et en tirer des conclusions s'il le souhaite. Mais on voulait pas être dans un schéma noir et blanc. Ça a été un cheval de bataille d'emblée. De même qu'on ne voulait pas nommer la maladie, on ne voulait pas faire un film sur la maladie, on voulait vraiment parler de la famille, de l'identité d'une famille et des rapports qui se créent au sein d'une famille, et de la question de la normalité et de l'intégration dans un groupe et de la tolérance, quoi. Ça, c'est ce que le film essaie de mettre en lumière, c'est que la normalité, c'est quand même quelque chose de très relatif. Pour moi, c'est la famille. C'est pas un élément, c'est la confrontation de tous ces éléments qui fait que la situation dérape. Maman ! T'essaies pas de comprendre que quelque chose de terrible grandit ici, dans la maison des ours. Enfin, on est entre nous. En famille. Thank you.